Et salut, c'est Seb. On se retrouve pour une vidéo sur Gran Turismo, la manche 27 de la série Manufacturer. Donc, on est sur le Red Bull Ring avec 19 tours. Donc, comme d'habitude, premier essai. On va essayer de faire ça en one shot. On va essayer de ne pas prendre trop de temps. Donc, les qualifs, j'ai réussi à me placer 6e. Chose assez honorable par rapport aux essais que j'avais pu réaliser. Ça n'a pas forcément été dans les mêmes conditions ici et j'ai pas forcément réussi à faire le même temps, mais bon, 6e, c'est pas trop mal. Donc les conditions requises pour la course, c'est les médiums et les durs. Donc on va, comme d'habitude, commencer en médium. On verra bien combien de temps ils vont tenir parce que j'ai encore une fois pas fait de simulation de course comme d'habitude, vous me connaissez, puisque bon, j'estime que je prends plus de plaisir à ne pas prendre trop de temps sur les essais et potentiellement se faire défoncer. Ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, on verra bien à la mi-course si les pneus tendres tiennent, ce que ça donne en termes de carburant, s'il faut refuel ou pas. Donc ça, on verra bien. Donc du coup, on se retrouve sur la grille de départ. Allez, donc nous voilà sur la grille en départ lancé. Alors, je vous cache pas, le circuit, je l'adore. Red Bull Ring, c'est certainement l'un de mes préférés, hein, de tous les circuits disponibles. Le fait est que j'ai quelques difficultés sur certains virages, notamment celui-ci. Pas trop mordre l'intérieur, pas trop sortir à l'extérieur. Bref, on est souvent à la limite en termes de pénalité. Donc voilà, c'est ça qui pour ce combo me pose quelques problèmes. Sinon, on est avec la VM que je commence à bien connaître. Donc ça, c'est pas un souci. Oui, déjà là je suis limite, donc je vais relâcher un petit peu. Alors lui il part en spin, donc je sais pas du tout si ça va m'occasionner une péna. Des fois tu te dis, bon c'est pas grave, j'ai une péna, je vais aller à fond, au moins comme ça je perdrai moins de temps. Des fois tu relâches, c'est un petit peu compliqué. Ou alors que oui, là forcément. J'ai fait les qualifs avec les tendres. Déjà deux virages complètement loupés, déjà on va dire qu'en termes de début de course, le petit Seb il est complètement à la rue. Des fois ça se demande s'il vaut mieux pas quand même mettre les tendres un petit peu. Alors ces derniers temps, parce que comme d'habitude je parle un peu dans tous les sens, ces derniers temps j'ai énormément baissé en rating, tout ce que vous voulez. Alors je vous avais dit dans ma précédente vidéo que c'était pas quelque chose qui m'intéressait énormément le rating. Mais c'est vrai que si tu veux des courses propres, c'est quand même mieux d'être au-dessus, si je me trompe pas. Et j'en profite pour passer un remerciement à tous ceux qui m'aident au niveau de Turismo. Parce que c'est vrai que j'ai encore quelques lacunes et en mettre beaucoup. Notamment, je remercie au passage de son pseudo Firebody. On se reconnaîtra. Alors qu'on reste pour l'instant à distance, on n'est pas trop mal. Donc du coup j'ai encore quelques lacunes, notamment sur les classements. On m'a demandé sur le, je crois que c'était ma dernière vidéo, de me montrer les points avant et après la course. Alors si vous savez me dire où je peux choper ça, parce que très honnêtement j'en ai aucune idée. C'est vrai que je me suis mis à GT Sport il y a quoi, 3 mois, vraiment de façon entre guillemets intensive. Alors, intensive c'est pas vrai puisque j'ai le PC à côté. Je vous avais dit que je ne lâcherai pas GT Sport parce que j'y prends beaucoup de plaisir, mais vous voyez, c'est toujours le cas. Ah, ça sort large, je sais pas si je peux. C'est ça en fait, encore quelques difficultés à trouver les limites de piste. On est dans le rythme, hein. On n'est pas trop mauvais. Derrière, pareil, c'est un petit peu à distance. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai réussi à trouver ma position de conduite plus ou moins, bien qu'elle va bientôt changer. Teasing pour
dans quelques jours. Et voilà, j'arrive plus ou moins à trouver mon ressenti. Donc là, il se loupe un peu. Oh putain, il redémarre pas mal. Derrière, c'est bon, on va se prendre la spi. Mais bon, avec le lot de sel, quand tu freines fort, forcément, on va lui faire peur. On va montrer qu'on est là. Alors c'est plus dur sans être trop fort puisque j'ai mis le niveau le plus faible de résistance. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo spécialement dédiée au CSL. Je pense que certaines personnes m'avaient demandé un retour, savoir si vraiment ça valait le coup. Alors n'hésitez pas à me réitérer la demande si vraiment ça vous intéresse. Comme ça moi je vous ferai une vidéo dédiée sur le pédalier, notamment le lot de sel. Il a bien ralenti, hein. Très fair play ou pas, j'en sais rien. Le fait est que je pense qu'il avait vu qu'il avait une pénalité. Alors cette semaine, j'ai fait, comme beaucoup de monde, je pense, les quotidiennes. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est les vacances, vous vous relâchez ou... C'est une boucherie, quoi. J'ai fait les trois circuits, et encore, sur celui que je pensais, où c'est complètement délicat, Laguna Seca, ça a vraiment pas... était le pire des trois. Alors le dernier, je crois, là où il y a 13 tours, je crois. Ah bah alors là, les mecs ils te dive bomb de partout. Ça fait des points de freinage où il n'y en a pas. En fait, ça se met à l'intérieur. Ça c'est quasiment pertinemment que ça va pas être pénalisé. Alors je vous cache pas, hein. Je redonne un petit coup de portière. Voilà, ça fait du bien, ça soulage un peu, parce qu'on m'avait dit que j'étais calme, pas tout le temps, hein. Quand il n'y a pas la caméra, des fois... Voilà, j'ai dû freiner. Alors on est à combien? 3 secondes 2, on va voir. Un Espagnol. On avait donné une petite réputation aux Espagnols à la cible PC. Je peux vous dire que c'est pas forcément usurpé non plus sur GT Sport. Bon, il y en a certains, mais je veux pas tous les mettre dans le même panier, hein, mais bordel. Derrière j'ai un peu de marge, j'ai pas trop d'inquiétude à avoir. J'ai soulagé parce que là... Bon les premiers c'est très loin. Autant vous dire le podium ça va être compliqué. Vous savez, je me dis toujours, soit ils sont très bons, soit ils ne roulent que sur GT Sport. Donc on essaye de se rassurer comme on peut. En tout cas, encore une fois, alors je précise encore une fois, je préfère le dire, notamment pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos, vraiment toujours très satisfait de mon CSL. Même le combo avec le pédalier, hein, depuis que j'ai le lot de sel, c'est vrai que ça change pas mal la donne. Ça reste quelque chose au prix qu'il vaut, quoi, je veux dire.
peine acheter un pédalier à 800 balles si tu roules 4 fois, 3 fois dans le mois. Hein. Parce que forcément, comme là, je vais prendre le cas du CSL à 100 balles, celui qui fait 2 pédales. Forcément, si tu roules tous les jours, à un moment, l'usure va se faire vite ressentir. Donc, je pense pas très honnêtement que ce soit fait pour. Dans ces cas-là, il faut vite partir sur le V3, le modèle que j'avais auparavant qui faisait vraiment bien le taf. Voilà, là je l'ai bien passé. Là je reprends du temps sur le mec de devant. Alors on va bien regarder à la mi-course. Oh putain, il va falloir refuel là. À la mi-course, c'est clair. Ils sont peut-être en temps, donc voilà, ça m'étonnerait. À mon avis, ils sont sur la même stratégie que moi. Derrière moi, c'est un Français, je viens de le voir. Il est derrière aussi moi au niveau des qualifs, je crois. Je grappille un petit peu de temps. Si je continue comme ça, ça va être pas mal. Ah, ça pique maintenant. Stratégie décalée. Oh, pourtant il a. Ouais, il a certainement milliard. On peut encore faire une paire de tours. Donc là j'ai loupé mon point de freinage. Je perds un peu de temps. Oh, c'est très loin là-bas, c'est tout au bout. Mais bon, on va s'occuper de soi. Secondes devant. Mais là, je me suis repris. Je me suis dit, c'est peut-être un peu juste. On verra bien. Alors devant, il a l'air d'être à l'agonie. Je sais pas ce qu'il fait. C'est le 19ème forcément. Un pot bleu, il sait pas ce qu'il fait, il m'inquiète un peu. Oh, putain, il arrive au mauvais moment. Ah putain, ça va être chaud au niveau du refuel, on sait pas trop. Large. Mais sinon la Nations Cup, pour revenir à cette compétition là que je fais habituellement, j'ai fait la passe cette semaine.
J'ai horreur de ce type de circuit. J'ai horreur de la NASCAR en général. Donc, et en plus, je sais pas si c'était vraiment propre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait la Nations Cup sur ce circuit très spécifique. Ah là, ils viennent de piter les 2 et 3. Et ils sont encore devant. Ah, je sais pas s'il faut. Freiner à centième de seconde plus tard, et hop, j'ai perdu mon point de freinage. Et ma corde. Ah, donc est-ce qu'il faut remettre un peu de carburant? Je crois qu'il va falloir remettre un petit peu. Ça commence à glissouiller. Je suis pas encore à la ramasse, donc on va essayer encore de faire un tour, je pense. Derrière, c'est toujours à distance. Alors j'allais dire, j'ai pas à rougir par rapport au P2 et P3, mais bon, dans un sens, eux ils ont, je pense, des hard et moi des pneus usés. Donc, que je commence à perdre du terrain. Donc il va peut-être falloir penser. C'est juste là. Ensemble, ça va. J'ai pas à me plaindre. Course assez sérieuse. Et puis de toute façon, 15-20 tours, c'est le minimum. Pour avoir des courses propres, pour tirer les lignes, que les mecs soient patients, c'est clairement ce qu'il faut. Je pense qu'on va passer par les pits. Je sais plus si l'entrée est stand et raid. C'est dur, hop, et on va peut-être remettre un tout petit peu. 5 tours, ouais, faut remettre. Allez hop.
Allez, on ressort quatrième. Derrière, il y a une pénalité. Donc je pense que voilà, on va en rester là. Enfin, on va rester là. Allez, vous pouvez quitter la vidéo. Salut, bonne journée. Non, non, je pense que en termes de place, si je fais pas de bêtises. Juste que je m'habitue, 30 secondes hard. Ça en reste en l'état, c'est aux portes du podium. Un peu con. Alors par contre, dites-moi aussi ce que vous en pensez, je vous pose beaucoup de questions aujourd'hui, du système de points de GT Sport. Parce qu'en fait, selon le niveau où tu es, tu marques plus de points. Parce qu'il y en a qui ont d'ores et déjà plus de 800 points, je sais pas quoi. Enfin, je trouve. Voilà. Après, j'ai peut-être pas assez de recul. Pour ceux qui roulent dessus depuis pas mal de temps, dites-moi. Pourquoi celui qui roule dans un niveau supérieur a plus de points que celui qui roule sur un niveau moindre? Je vois pas en fait la différence. Ce que je veux dire, c'est que tu es censé rouler avec les gars de ton même niveau, en fait. C'est ça que j'ai du mal à... Ouf, failli la perdre. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que vous êtes dans une série, sur un slot, vous jouez, vous roulez contre des gars du même niveau que vous. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de logique à avoir plus de points que celui qui roule et qui, dans une autre série et qui se bat tout autant avec des gars de son niveau. Il a autant de difficultés, je pense, que quelqu'un qui roule sur un niveau supérieur. C'est là où j'ai un petit peu de mal à saisir l'intérêt. Alors, mis à part forcément de voir que ceux qui sont avec des points supérieurs, bah, c'est les meilleurs, ça c'est évident. Mais ouais, au classement général, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, je prends un petit peu comme un con. C'était 4 tours. Ouh! Putain, derrière il revient. Il doit couper comme un porc parce qu'à chaque fois il y a une pénalité. Il faut que je me méfie. BM également. À mon avis, lui, vu son rythme, il doit avoir certainement les médiums. Ah, il est bien plus rapide. Donc, la quatrième place, Coco va falloir la défendre. Ça se voit au chrono. Il m'a pris 8 dixièmes là dans un virage, donc je vais avoir beaucoup de mal à défendre ma place. Après, s'il est plus rapide, il n'a pas de raison à me dézinguer. Ouais, on va changer, éviter qu'il me prenne d'aspi. Il y a une demi-seconde. Je pense pas qu'il va me faire le freinage sur celui-là. Il
forcément il a la meilleure grippe, donc je me fais littéralement bouffer. Dommage, des gros points qui s'en vont. Ouais, mais enfin, t'auras pas non plus comme ça. Hein. Ah, moi ça, je m'en bats dessus. Ah oui, mais t'es marrant, tu te rabats juste devant moi, il est rigolo lui. Tu veux être gentil, sport, courtois, tout ce que tu veux, fair play. Mais en pleine ligne droite, tu te rabats pas devant moi. Un petit peu risqué quand même. Ah, je suis obligé de freiner. Tu me prends comme un con. Ah, une petite pénalité peut-être? Non. Un petit peu bizarre. Ah oui, il a accéléré trop. Oh ben là, ben non, c'est fini pour lui. Ah oui, je vous l'ai déjà dit, une course n'est jamais terminée. Donc là, pour le coup, c'est terminé pour lui. Il a pris des risques là où il en avait pas besoin. Alors, est-ce que ses pneus étaient rincés? Je sais pas. Bon, ce moteur-là, il était beaucoup plus rapide. Donc bizarre. Mais bon, on va se méfier. On va rester focus quand même sur ce qui se passe devant, parce que vu comment il était revenu tout à l'heure, je peux vous dire que non, c'est le Français qui est derrière moi. Il va nous rester deux tours et on va terminer avec cette série. Je rappelle, j'ai pris en cours de route ce championnat. En débutant à la manette, et là maintenant je suis pleinement au volant. Tant que je vous tiens encore, enfin pour ceux qui sont restés jusque là, désolé pour ceux à qui je ne réponds pas sur commentaire Facebook, commentaire YouTube, tout simplement parce que je vois pas vos commentaires. En fait, faut savoir qu'on ne reçoit pas toujours des notifications par rapport à des commentaires qu'on peut avoir sous la vidéo. C'est à dire que j'y vais pas tous les jours, même si j'essaye de répondre à toutes les questions, toutes les demandes, même aux commentaires entre guillemets simples qui ne nécessitent pas de réponse. Des fois en fait on reçoit, des fois on reçoit pas les notifications. Même des fois on va dire une vidéo qui date de 2 semaines, forcément j'y vais peut-être plus. Et du coup vous posez une question et puis je n'y réponds pas. Donc forcément le mec youtubeur de merde, gros bâtard, voilà, tu réponds jamais. Bon bref, voilà, je vous passe les détails. Alors c'est pas des insultes, des remarques que j'ai eues. Mais je me mets à la place de ceux qui ont posé une question qui n'ont pas de retour. Sachez que c'est pas une volonté de ma part, c'est juste que je ne vois pas.
votre question ou votre commentaire. Alors on le voit quand on va sous la vidéo. Mais je vais pas. Merde. Je ne vais pas voir mes vidéos après 2-3 semaines, voir les commentaires s'il y a des nouvelles choses. Donc voilà. Veuillez m'en excuser par avance. Allez, on en termine là. Moi, je pense qu'il y a encore des endroits où je peux grappiller. Là, par exemple, peut-être élargir, ici rentrer plus vite, mettre pied au plancher plus rapidement. Enfin bref, je pense qu'il y a des dixièmes, des centièmes à prendre ici et là. Mais bon, je suis quand même content. Quatrième place, très honnêtement. J'ai pas forcément fait d'erreur. Alors, le fait de faire médium et dur, est-ce que c'est la bonne solution? Je vais rester, je vais pas prendre de risque. Hein. On va rester sur cette quatrième position. Je vais pas m'en plaindre. Dites-moi, vous, si vous avez fait cette série et si vous avez fait une stratégie différente de la mienne. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Il y en a même, je pense, qui ont peut-être tenté directement les tendre même pour démarrer et prendre quelques secondes et puis passer sur autre chose. Encore une fois, il fallait peut-être pas refuel non plus. Voilà, vous voyez, je suis un petit peu dans le questionnement. Je n'ai pas toutes les astuces et toutes les ficelles pour finir au mieux. Mais bon, je m'en sors vraiment bien, quatrième. Je pense que c'est un bon résultat, ça ramène vraiment pas mal de points. J'ai passé une bonne course, donc voilà, c'est le principal. Encore une fois, j'ai pas roulé sur le Red Bull pendant 4 jours pour faire un training. J'ai fait, on va dire, à tout casser 15-20 tours maximum pendant la période qui ont précédé cette course. On a 3 ou 4 jours entre chaque, donc voilà, ça permet de rouler un petit peu sans se prendre la tête. Encore une fois, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu le temps. Ça changera la donne quand je reprendrai le boulot, mais voilà. Pour l'instant, je peux le faire, donc je le fais. Maintenant, il va falloir faire des choix plus tard quant aux simulations. Alors, de points, ça va tourner, je pense, autour de 80, même pas 73 points. Ah, c'est vraiment pas énorme. Très honnêtement, j'ai gagné 2 places par rapport à mes qualifs. Voilà, le principal, c'est d'être content de sa position, aux portes du podium, la place du con. C'est pas grave, je marque des points. Et puis, ben, j'ai passé un bon moment. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à une prochaine. À plus. Salut.